Kamakai, la femelle géante, est là, quelque part. Andy Casagrande et Cory Garza, tous deux spécialistes des requins, sont venus dans un atoll reculé de la Polynésie française dans l'espoir de la retrouver. Jusqu'à présent, ils n'avaient aucune nouvelle d'elle, mais les images prises par les caméras fixées aux nageoires révèlent un site de formation pour jeunes requins-tigres. Un, deux... Trois tigres. Il y en a trois juste là, et encore un autre ici. Il suit ce tigre. Ouais, il le suit. Les requins-tigres adultes comme Kamakai sont solitaires. Mais ces jeunes semblent évoluer de concert. Ils arrivent groupés. Ouais, exactement. Ils disparaissent, ils reviennent. Qui initie cela? Est-ce qu'il y a un leader dans le groupe ou bien est-ce qu'ils sont opportunistes? Est-ce qu'ils agissent par mimétisme ou est-ce une décision collective? Il y en a un autre qui arrive là. Regarde. Ouais. Oh! Certains requins vivent et chassent en groupe. Comme les requins taureaux en Caroline du Nord. Les requins citrons au Brésil. Et les requins gris de Recife dans l'atoll Fakarava. On a observé chez tous ceux-là une attitude communautaire. Mais ces images sont les premières preuves que les jeunes requins-tigres peuvent faire de même. C'est peut-être un élément important pour devenir un géant comme Kamakai.